Coucou la YouTube compagnie, j'espère que vous allez bien. On est samedi 13 avril et j'ai du retard un petit peu dans mes les trucs, les annonces que je vous avais fait dans les vidéos avant, tout simplement parce que à chaque fois que je vous dis que je vous fais ça, que je vais mettre ça, je fais des autres choses. Je suis désolée, j'ai pas mis les dents en haut. Je les ai gardés pas mal hier. Ça m'a re-blessé. Ça a re-accentué la plaie qu'il y avait déjà. Donc aujourd'hui, j'ai bien essayé de mettre, mais au bout de 10 minutes, comment vous dire, oh, je peux même pas parler en fait, parce que ça fait le frottement et voilà quoi. Donc, voilà. Ma foi, taillez-moi, parce que vous voulez, là, pour les pollueurs, j'en ai rien à foutre. Soyons clairs. Donc là aujourd'hui, tout de suite maintenant, il est donc 13h47, donc 2h10. Je passe ma journée là aujourd'hui, j'ai décidé, on s'est promené 2 jours avec Waninou. Elle est morte, soyons clairs. Hier elle ne pouvait même plus descendre du canapé. Donc bon, aujourd'hui on reste tranquille. Donc du coup je passe mon après-midi à faire des tutos, des trucs, voilà. J'ai pas envie de rompre, j'ai pas envie de ranger. Il faut que je range, bien sûr. Il faut que je continue mon tri à l'atelier, machin, patacoufa. Mais là, dans l'immédiat, j'ai pas envie. Et j'ai pas envie de faire les choses, de me forcer. Clairement pas. Donc, voilà. Donc, là, on va faire un tuto spécial pour les mamans. Pour les mamans qui ont des petits, voilà. Donc on va faire une bouteille sensorielle. Pour ce faire, il vous faudra votre pistolet à colle chaude, une bouteille type Evian. Moi c'est ce que je vais prendre en 50 centilitres, ça suffit. Donc une bouteille sensorielle pour un retour au calme. Voilà. Donc une bouteille vide, bien sûr. Après, regardez-moi, il y a encore des gouttelettes dedans. On s'en fout, c'est pas grave ça. Ok. Il me faudra de la colle transparente. Donc j'ai choisi de prendre... J'ai fait un test avant parce que... Voilà, j'ai fait un test. Point. Parce que quasiment, même maintenant pour les enfants, vous voyez, c'est de la glu. Et des fois, la glu avec le mélange qu'on va faire, des fois, elle sèche, quoi. Puis ça fait un caton. Puis votre création, elle est morte. Voilà. Donc là, j'ai pris celle-ci qui marche. Donc de chez Action. Elle est chez le rayon en chez le rayon. Elle est au rayon enfant. Ensuite, je vais prendre de la paillette, quelques petits boutons, et je vais aller chercher une ou deux petites perles. Je reviens. Voilà, je suis allée chercher. Donc j'ai pris. Je vais prendre des petites perles. Oui, elles sont un petit peu en forme de rectangle. Moi, j'aime pas travailler ça en bijoux. Je sais le faire, mais j'aime pas. Donc voilà. Et je voulais prendre une petite étoile pour les blanches. Normalement, c'est des perles. Je vais mettre un peu. Pas mal. Je peux en prendre 4-5. Je vais peut-être mettre aussi un peu de vert. De vert. Sympa. Je me demande.
il me répond tout à l'heure. Bon, bref, je vais vous pencher. Ça fait un que j'aime bien, en fait. Ça, c'est ça qui me gêne. Toujours, elle ne veut jamais se mettre comme il faut. C'est putain, bref, passons. Allez, je vous penche. Voilà. Ça, on va en avoir besoin pour tout à l'heure. Hop. Je me demande quelles sont les autres tâches. Chier. Tu me joues. Parce que la mini bleue, elle va se perdre, c'est sûr. Je crois autre chose avec. Hop. Donc là. Voilà, hop. Alors. Je vous dis qu'il faut le pistolet à colle, je ne branche pas, normal. Tac. Il est branché, j'ai de la colle, tout machin, quoi, à peu près tout. Pas mal de choses. Alors, on va mettre à peu près la moitié. Donc, à mon avis, ça va quasiment passer le truc. Il y a 20 centilitres, ouais, on est dans la moitié. Alors, attendez, je vais pas faire comme ça parce que ça va me saouler. On va mettre 15 ans. Je vais tout de suite venir mettre une petite goutte d'eau pour pas qu'en fait, bah, elle colle. Tout simplement, voilà, hop. Tac. C'est parti. Elle n'est pas très chère cette colle hein, chez Action. On peut se permettre. Puis une bouteille comme ça, au pire, je crois que vous en avez deux. En vrai, c'est déjà pas mal. Hein, moi, perso, je trouve. Quoi. Ça sert à rien d'en avoir 15 000. Quoi. Alors ne faites surtout pas avec la porte-pose, voilà. Je vais pas le dire, putain la con. Hop. Je vais mettre de l'eau après. Là, maintenant, bah, je vais déjà venir tout simplement mettre. Hop, mes petites étoiles, la touche. Tchuc, 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 tchuc. Qu'est-ce qu'on a dit qu'on peut mettre? On va mettre deux, trois petites perlasses. Je vais mettre des bleus. Vous aurez compris que le tuto, je le fais pour Hélène et Thibault. Et leur petit bébise, Isaïe. Oui, c'est ça, je ne me trompe pas. Alors, on va mettre de la paillette, mais on va pas en mettre trop parce que sinon après l'eau elle se teinte et c'est la loose day. Je vais prendre une petite cuillère, ce sera plus simple, je pense. Ouais. Parce qu'il en faut un peu quand même. Un petit peu comme ça, nickel. Je vais mettre à peine un tout petit peu de paillettes. Hop. Là, maintenant, on va remplir d'eau. Ah, j'ai pas mis de petits boutons, j'ai mis des petits boutons. Ils sont là. Donc on va en profiter. Je vais mettre un petit peu de ça. Comme ça.
Voyez, ça descend. Mais tout doucement, tout doucement. Hein. Pas trop dans le pot. C'est fait exprès. Justement, c'est ça qui fait que il y a un retour au calme. Comme ça, et je vais mettre ces deux là et on sera déjà pas mal, je pense. Oh que oui. Hop, hop. Je range mes petites affaires. Vraiment, c'est un truc qui est pas censé prendre 2 heures. Hein. Alors, je sais pas si Hélène, elle le refera, elle nous dira si elle la refait ou pas. Si elle le refait, bah, si ça marche sur Babies, quoi. Et c'est quelque chose que vous pouvez vous servir. Même après, quand il commence à aller à l'école maternelle, toute la maternelle, vous pouvez vous en servir, en fait. Même comme après s'habiller, entre guillemets. C'est pas mal. Hop. Ça descend déjà plus vite, hein, voyez. Je vais récupérer au max là-dedans. Parce que si ça descend trop vite, c'est un peu nul. Vous aurez bien compris. Donc plus vous mettez de la colle, plus comment ? Plus ça descend doucement. Moins il y a d'eau, plus ça descend doucement. Plus il y a d'eau, plus ça descend vite. Normal, quoi, entre guillemets. Je vais mettre pause le temps que ça coule bien et on reviendra après quand mon flacon sera bien, bien vide. Alors, j'ai pas rempli à fond pour l'instant ce que je vous ai déjà. Donc, voilà pourquoi me manger un coup ça avant que tout reste en bas. Il faut attendre un petit peu. Vous ne l'avez pas, putain. Je ne sais pas, je ne sais pas. On va remplir et on verra bien. Je referme. Parce qu'il ne faut pas que ça colle en bas. Voilà. Côté bon, on est obligé de faire ça parce que sinon ça n'ira pas, ça redescend beaucoup trop vite à mon goût. Et ça reste beaucoup trop collé. Pourquoi ça me fait ça? Je ne sais pas.
suis allée rechercher un petit peu de colle transparent. Alors, donc vous voyez, j'ai fait... on va laisser reposer, j'ai juste fini de remplir la bouteille. Je vais laisser reposer pour voir ce que ça donne, d'accord? Parce qu'en fait, ça... moi, quand Charlie était petit, donc je lui en avais fait, mais je n'avais pas fait avec de la colle. Donc, on va voir la différence. Là, il faut laisser reposer. Enfin, on va mélanger. On va laisser reposer. Je vous reprendrai quand ça sera tout bien, quand toutes les bulles seront bien remontées. D'accord? On va voir si ça refait ses bulles au mélange. Si ça... je ne vais pas sceller le bouchon tout de suite. Hein, d'accord? Parce qu'en fait, le pistolet à colle, c'est pour sceller votre bouchon. Pour pas que l'enfant, derrière, aille y boire, bien entendu. Mais moi, c'est la Charlie, je les ai fait avec de la glycérine. Donc, ce que je vais faire, je vais laisser reposer. Quand toutes les bulles seront parties, je vous reprendrai. On va faire d'autres choses en attendant. Ça, je ne voudrais pas que la vidéo dure trop longtemps pour ne pas me niquer après mes autres vidéos, d'accord? Quand on remélangera, si ça nous refait un aspect comme ça, très pâle, très, eh bien, on refera la même chose, mais avec de la glycérine, et on verra la différence comme ça. Parce que là, à mon avis, les bulles vont toujours venir et du coup, ça fait très compact. Mais c'est vrai que moi, quand j'en avais fait pour Charlie, ouais, je les avais fait à la glycérine. Donc, après, le truc, c'est que la glycérine, ça coûte un petit peine plus cher que quand même la colle comme ça. Et moi, l'essai que j'ai fait avec la colle, si vous voulez, je l'ai fait sur une hauteur comme ça. Je n'ai pas rempli, je n'allais pas gaspiller en fait. Donc forcément, j'avais l'impression que ça marchait bien. Mais là, ça tombe très vite. Non, je peux mettre très peu d'eau et beaucoup plus de colle. Je ne sais pas, on verra. Ça peut être donc un tuto qui est donc bien entendu foiré. Ou alors on cumulera la glycérine, on fera un essai avec la glycérine pour voir ce que ça nous donne. Et puis voilà. Donc là, je vais la laisser tranquille. Je vais la laisser reposer pour voir. Ouais, on va la laisser reposer pour voir. Parce qu'en plus, ça met quand même, ça a l'air de mettre un petit temps. J'espère juste que ça ne me collera pas les trucs. Non, ça n'a pas l'air de vouloir les coller. Déjà pas mal. Bref, je vais aller de la mélanger, je vais la laisser sur le côté. Et puis, on se retrouvera tout à l'heure pour voir ça. Et de toute façon, si ça a foiré, enfin, si avec la colle, c'est pas l'effet escompté, quand on va vérifier, j'aurai déjà, je serai retournée chercher la glycérine et tout ce qu'il pour ne pas perdre de temps, voilà. De toute façon, je vous ai dit, aujourd'hui, je reste à la maison, sauf s'il faut que je descende un petit coin Saint-Claude. Et voilà, même si je ne vous dis pas que j'ai très envie d'aller détecter, je me retiens. C'est pas la peine de s'emballer le trou de balle. Voilà. Sur ce, je vous dis à tout à l'heure pour la suite de ce petit tuto, de cette petite bouteille sensorielle. Voilà. Allez, à tout à l'heure la YouTube Compagnie. Recoucou la YouTube Compagnie. Alors, la bouteille, ça fonctionne très bien juste avec notre colle de chez Action, la Kids. Par contre, il ne faut pas faire moite-moite. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai revidé à peu près ça. D'accord? Et j'ai rempli que de colle. Ça veut dire que vous, sur vos 50 centilitres, votre bouteille de 50 centilitres, il faut mettre, j'ai dit, 40 millilitres de colle et le reste en eau. Parce que sinon, vos petits éléments qu'il y a dedans retombe beaucoup trop vite et en plus les bulles ont beaucoup de mal à s'évaporer, à se dissiper, si on peut dire comme ça. J'ai retrouvé ces petites étoiles là, bleues, qui sont dans les petits biberons là, donc je vais les rajouter. Hop, parce que je trouvais ça sympa. Et comme en fait j'ai vidé un peu la paillette, voilà, et comme j'ai rangé la paillette, j'avais pas envie de retourner chercher. J'avais juste envie d'avancer quand même. Parce que finalement,
Cet après-midi, ça n'a encore pas été comme je voulais, donc voilà. Mais on va finir par y arriver, on va finir par y arriver, la YouTube Compagnie, je vous assure. Je vais mélanger un coup pour vous montrer. Ça veut plus. Donc, on secoue bien, d'accord, c'est le but, hein. Ok, vous voyez, ça va très doucement déjà, même pour mélanger, ça va beaucoup plus doucement que tout à l'heure. Et là, hop. Et voilà, ça fait des bulles, ça, voilà. J'ai des trucs qui sont quand même escolos. J'ai peur quand je vais ouvrir du coup que ça dégueule. Là, on va venir donc souder notre petit bouchon. Ça peut pas dégueuler. Ah, il est pas assez chaud, quoi. Oh, cacao. Hop. Et je viens visser la bébête. Voilà. Bien comme il faut. Parce que bien sûr, il faut pas qu'il puisse l'ouvrir. Ou attendez, voir ce qu'elle prend. Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi les bêtises? Bouh. Là. Et on a notre petite bouteille sensorielle. Alors, faut y aller, hein. Et hop. Ils sont vraiment du mal à retomber. Alors, vous voyez, par contre, tout ce qui est un peu plus lourd, comme les étoiles et les plus gros boutons, vous avez vu, ils redescendent beaucoup, beaucoup plus vite. Donc, plus vous mettrez des choses légères, et plus elles mettront du temps à redescendre, d'accord? Voilà, la YouTube Compagnie. C'est simple, c'est efficace, et vraiment, ça marche. Rien que même les toutes petites bulles, comme on voit, ça marche. C'est très apaisant. Pour un retour au calme pour les enfants et même pour les parents. J'ai envie de vous dire que c'est top. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous inspire. Et puis, comme je vous dis, si vous l'essayez avec la glycérine, vous pouvez, mais ça coûte un peu plus cher. Et pour la glycérine, c'est genre ça d'eau par rapport à vos 50 centilitres, hein, c'est peu, hein. C'est moins de 10 centilitres. Parce que sinon, ça redescendra, mais d'un coup d'un seul. Par contre, vous n'aurez peut-être pas, avec la glycérine, cet effet de petites bulles là, qui met un petit temps à redescendre. D'accord? Voilà. Vous n'avez pas le même visu que moi. Moi, c'est beaucoup plus clair. Hein. Là, vous voyez l'écran, ça fait foncer. Pourtant, qu'on voit rien, mais de près, on voit bien toutes les petites bulles, toutes les petites étoiles qu'on allait mettre dedans, les petites perles et tout ça, tout ça. Hein. D'accord? C'est juste, je ne comprends pas pourquoi ils veulent absolument les s'accrocher dans le fond, là. Je pense que mon œil ne se mélange pas bien. Et voilà. On fait attention que ça n'aille pas accroché là-haut. Bien entendu. Je pense que plus vous en servirez, et plus ça va redescendre doucement. Plus ça va s'installer gentiment et se mélanger. Et voilà quoi. J'espère que ça vous aura plu, la YouTube Compagnie. Prenez soin de ceux que vous aimez.
Et surtout, ne faites pas trop les fous. Ciao, ciao!